commence à faire chaud ici 15 minutes avant le retour du merveilleux Elvis Cooney. Oh, vous allez l'adorer. Comment ça va, Justin? Ton expression me dit que t'as encore des problèmes avec tes hémorroïdes. La seule chose que j'ai dans le cul ici, c'est toi, tête de gland. Le bateau est en train de couler, Elvis. Il s'intéresse pas à tes médias sociaux, tu vois? Je suis animateur de radio, pas danseur sur TikTok. Parlez à Elvis, sur la ligne. Ok, on a Gary au bout du fil. Comment allez-vous, Gary? Oh, faut respirer fort. Comment ça va, Gary? Gary, je sais pas si c'est une sorte de blague. C'est mon arme, appuyée contre la tempe de ta fille. Fenevin, explique-moi ce qui se passe. Es-tu un fan de l'émission ou essaies-tu de créer un genre de buzz ou... Je veux détruire ta vie, comme t'as détruit la mienne. Et c'est que la police va rentrer te chercher si tu ne te rends pas. Mais je ne porterai pas plainte, je veux juste que tu laisses ma femme... Non, ne me retirez pas des ondes. On m'a dit que j'étais brisé psychologiquement. Foutaise. Pitié, laisse ma femme et ma fille partir. Ça peut encore bien se terminer. Mais je veux pas que ça se termine bien. Qu'est-ce qui se passe? La police dit que... qu'il y a personne dans la maison. Mais je suis réellement avec ta famille. Elvis, va-t'en d'ici. On s'est battu, elles ont crié. Il va tout faire sauter. Les fenêtres, la porte, le sous-sol, le garage. Il a installé des explosifs partout. Il est dans le bâtiment. Ben, si on veut pas mourir... il faut qu'on se batte. Le gars qui se balade avec une femme et une petite fille. Est-ce qu'il parle dans vos écouteurs en ce moment? Il nous observe depuis le début. Si vous me trouvez, je ferai pas sauter le bâtiment. Mais je tuerai quand même Elvis. Laisse partir mes filles, ok? Je suis beaucoup trop vieux pour jouer à cache-cache, d'accord? Je pourrai jamais oublier ses yeux, je veux dire. Il était complètement coucou. Gary, les policiers sont sur le point d'entrer. Je t'en supplie, pitié, rends-toi. Lâchez votre arme. Tout de suite. Touchez pas cette porte. Je crois pas que je vais arriver à faire ça. Sale fils de pute. Ça pourrait faire un bon film. T'en penses quoi? Je crois que ça mérite une réécriture.